Le Dhammapada, versé sur l'esprit. Cet esprit vacillant, inconstant, difficile à surveiller, difficile à maîtriser. Le sage le raffermit comme le faiseur de flèches redresse la tige de l'arc. Comme un poisson tiré hors de l'eau et jeté à terre, cet esprit s'agite et se débat pour échapper à l'emprise de Mara. L'esprit est difficile à contenir. Rapide, il s'évade où il le désire. Il est bon qu'il soit apprivoisé. Un esprit bien apprivoisé est source de bonheur.
L'esprit est tellement difficile à observer, extrêmement subtil. Il s'évade où il le désire. Le sage doit veiller sur lui. L'esprit sous surveillance est source de bonheur. L'esprit part sans cesse au loin. Il erre, solitaire, sans forme, tapis au fond de la grotte du cœur. Ceux qui le domptent seront libérés de l'emprise de Marat.
celui dont l'esprit n'est pas ferme, qui ne connaît pas le véritable Dhamma, celui dont la sérénité vacille. Celui-là ne verra jamais la clarté de la sagesse atteindre sa plénitude. Celui dont l'esprit ne se laisse pas submerger, dont l'attention ne fléchit pas, laissant derrière lui le bien comme le mal, celui-là, éveillé, ne connaît pas le danger, ne connaît pas la peur.
vois que ce corps est comme un pot de terre et fais de cet esprit une forteresse. Ensuite, attaque Mara de la pointe acérée du discernement. Et puis préserve ce qui a été conquis sans t'y attacher ni t'en glorifier. Avant longtemps, hélas, ce corps tombera à terre, abandonné, sans conscience, tel un morceau de bois inutile.
quelque mal que puisse faire un homme à son ennemi ou à un homme qu'il déteste, un esprit mal dirigé peut faire pire encore. Quelque bien que puisse vous faire un père ou un autre parent, votre propre esprit, s'il est bien dirigé, vous en fera bien davantage.